La repentance de Guy Pella, proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Après avoir survécu à une attaque mystique, Guy Pella, qui avait été transporté en toute urgence à Paris pour des soins médicaux, est rentré au Congo. Guy Pella a été diagnostiqué d'un trouble de sommeil probablement lié à sa dévotion pour la sécurité du despote Denis Sassou Nguesso. Mais à côté de cela, il pense et suspecte certains caciques du régime d'une attaque mystique. Jean-Dominique Okemba, qui peu à peu est écarté du cercle restreint du dictateur congolais, est implicitement pointé du doigt. Une chose est sûre et certaine. Tout tombe aux alentours et au pourtour du dictateur congolais. Un signe précurseur d'une fin certaine du régime sanguinaire. La chute de Guy Pella est un prélude, un symbole de la fragilité, mais surtout des divisions qui se font de plus en plus jour au sein du régime clanique et tribaliste. Guy Pella, compagnon et frère des ténèbres. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon.